On joue à quelle heure? Je sais pas. Faudrait peut-être qu'on s'en inquiète. Ouais, c'est vrai. Franchement, les concerts, c'est plus ce que c'était. Avant, c'était les artistes qui décidaient quand ils allaient jouer. Les Stones, par exemple. Les Stones, ils faisaient attendre le public 2 heures. Et ils allaient jouer seulement uniquement quand ils avaient décidé. Et alors? Alors aujourd'hui, c'est l'inverse. On est là, on attend, on joue à des jeux. Je sais pas pourquoi on accepte ça, putain. Peut-être parce qu'on n'est pas les Stones. Ouais, c'est peut-être ça. Quelle heure on joue? Quand l'organisateur va venir nous prévenir. Mais il vient quand? Quand on va jouer? On joue à quelle heure? 19h. Eh hey, putain, ça va faire l'apéro vachement tôt, ça. On joue à quelle heure? Je sais pas. Il y a une première partie avant nous. La première partie, il joue à quelle heure? À 20h30. Tu sais combien de temps il joue? 30 minutes. 15 minutes de changement de plateau. Eh ben, j'aurais pas aimé être ton prof de maths, toi. On joue à quelle heure? À 23h. Ah oui, putain, l'apéro va être vachement long. On joue à quelle heure? Vraiment? D'accord. On a déjà joué. On joue à quelle heure? À 21h. Putain, c'est... Ah non, hein. 19h c'est trop tôt, 23h c'est trop tard. T'es jamais content ou quoi? Bah, 19h ou 23h, comme disait mon grand-père, il est trop tard pour rentrer de bonne heure. Mais un groupe qui joue une heure, s'ils jouent le soir du changement d'heure et qui sont programmés à 2h du matin, du coup, ils jouent ou pas? Eh franchement, vu qu'on a toujours des horaires différents pour aller jouer, puis qu'on est toujours en retard, on devrait y aller au pif sans faire gaffe. Si ça se trouve, on serait plus souvent à l'heure. À quelle heure on joue? Après le discours du maire. Ok. Tu vas où? Faire une sieste. À quelle heure on mange? Tu veux dire à quelle heure on joue? Non.